Non, notre télé doit bien être là quelque part. T'en fais pas, on arrive, l'île des cupcakes. Wow, peut-être qu'on devrait leur rendre la télé. Non, c'est exactement ce qu'on voulait, Billy. Ils sont en train de craquer. Les enfants, écoutez, votre mère et moi pensons vous avoir appris une excellente leçon de vie, pas vrai, maman? Oui, c'est vrai, vous avez retenu, on a retenu, tout le monde a retenu. Regardez, on vous rend vos téléphones. Maintenant, où est notre télé? Pourtant, les bâtons, c'était amusant. Rendez-nous notre télé. Oh, Chloé! Je crois pas que ce soit la nôtre. On s'en fiche, on prend-la. Billy, regarde, ils ont ajouté les criquets dans Paflablat. On a vraiment une vie de rêve. Les enfants sont de nouveau collés à leur téléphone, tout ça parce qu'on refuse de lâcher la télé. Est-ce qu'on est des mauvais parents? Non, regarde ça. Les enfants, allez faire du téléphone dehors. C'est ce que j'appelle avoir tout compris à l'éducation, chérie. Et maintenant, regardons qui a gagné l'île des cupcakes. Tristan a tout raflé, mon petit. Chloé! Vise les coudes, c'est sa petite faiblesse. Ok, d'accord, le premier chiffre, c'est 3, mais s'il te plaît, arrête. Dépêche-toi, dis-nous la suite du code. Max, pourquoi t'es redevenu un génie du mal? Ça paraît évident, c'était juste pour les distraire. Je savais que t'étais un gentil. Enfin, maintenant oui, mais avant, j'y croyais pas du tout. Sale traître! Allez les gars, on les démolit! Faut leur remettre le neutraliseur avant que... qu'ils nous fassent du mal! Pourquoi je contrôle plus ma main? Parce qu'il y a du métal dans ta montre! Je t'avais dit que j'étais super attirant! Mais y arrête! Je vais me faire pipi dessus! Ok, faut qu'un de nous deux l'atteigne. On va se payer un sacré ouragan. Max, à toi de jouer! Va falloir que tu me pousses! Prends ça dans ta brise! Ça aurait été marrant si je m'étais pas déjà fait pipi dessus. Désolé, les enfants, je vous l'avais dit, le mal, ça ne pèse jamais. Tu crois ça? C'était mal de nous trahir, je te signale. Écoutez, être un super-héros ne veut pas forcément dire être super parfait comme ma grande sœur. On a exactement le même âge. Donc, nous aussi, on peut devenir des super-héros, mais rester cool comme toi. Tout à fait. Ça me va. Je marche. Moi aussi. Je vais y réfléchir. Hé, hey, pardon d'avoir douté. J'aurais dû savoir que t'avais renoncé au mal. Ouais, quand Max Sunderman dit qu'il arrête un truc, c'est pour de bon. T'es au courant pour les cupcakes. Et aussi pour ceux de la poubelle. Au fait, surtout, leur donnez pas de stylo, compris?